toute la vie des sociétés dans lesquelles règnent les conditions modernes de production s'annonce comme une immense accumulation de spectacles. Tout ce qui était directement vécu s'est éloigné dans une représentation. Le travailleur ne se produit pas lui-même, il produit une puissance indépendante. Le succès de cette production, son abondance, revient vers le producteur comme abondance de la dépossession. Là où le monde réel se change en simples images, les simples images deviennent des êtres réels et les motivations efficientes d'un comportement hypnotique. À mesure que la nécessité se trouve socialement rêvée, le rêve devient nécessaire. Regardez ce jeune homme. Il aura été le dernier révolutionnaire français avant la grande normalisation en cours. Mais ce révolutionnaire aura été aussi un des plus grands écrivains de son époque. Ces deux qualités le désignent au malentendu permanent. Critique radicale de la société où nous sommes, affirmation jusqu'au bout d'une liberté sans compromission. Comme autre côté de la déficience de la vie historique générale, la vie individuelle n'a pas encore d'histoire. Ce vécu individuel de la vie quotidienne, séparé, reste sans langage, sans concept, sans accès critique à son propre passé, qui n'est consigné nulle part. Il ne se communique pas. Il est incompris et oublié au profit de la fausse mémoire spectaculaire du non mémorable. C'est ici, dans le courant du fleuve, c'est-à-dire du temps, que les cendres de Guy Debord ont été versées après son suicide. Paris était sa ville. Celle dont l'histoire, désormais presque oubliée, se confond avec celle des esprits libres. Qu'est-ce qu'un garçon ayant 9 ans en 1940 ? Un sourire jeté dans le bruit, la fureur, la folie meurtrière du siècle. La crise de 1929 dévoile la rotation inhumaine de l'argent, la négation de toute dimension poétique. Le vieux monde craque de partout et exhibe son nouveau pouvoir. Debord, issu de la bourgeoisie ruinée, ne sera pas un écolier, sauf au sens de François Villon. Pas universitaire non plus, cela va sans dire. C'est la poésie qui l'attire. L'exemple héroïque des premiers temps du surréalisme, la figure d'André Breton, ce rêveur définitif à la morale intransigeante. Mais il y a aussi Arthur Cravant, réfractaire, boxeur et poète. Et tout au faux, ne demandant qu'à ressurgir, la clarté sèche de l'autre amont. Il était une fois une mère, libre et belle. Elle a eu ce fils qui ne rentrera jamais dans le rang.
pas de carrière sociale, pas de poursuite d'argent servile, et désormais une seule passion, sa guerre contre l'autre guerre. Depuis les années 30, la contre-révolution est en marche. Elle s'affirme dans le stalinisme, le fascisme, le nazisme, s'affiche ouvertement dans la guerre d'Espagne, déferle sur l'Europe et le monde entier. Les bouchers de la répression sont à l'œuvre. La falsification de l'histoire aussi. De l'Europe. Et c'est au milieu du siècle, quand j'avais 19 ans, que j'ai commencé à mener une vie pleinement indépendante. Et tout de suite, je me suis trouvé comme chez moi, dans la plus malfamée des compagnies. C'était à Paris, une ville qui était alors si belle que bien des gens ont préféré y être pauvres plutôt que riches n'importe où ailleurs. Qui pourrait, à présent qu'il n'en reste rien, comprendre cela ? Hormis ceux qui se souviennent de cette gloire. Qui d'autre pourrait savoir les fatigues et les plaisirs que nous avons connus dans ces lieux où tout est devenu si mauvais? Voici des images de l'après-guerre. Elles sont trompeuses. Personne n'a l'air de se douter de l'énorme catastrophe qui vient d'avoir lieu. Comme si la vie pouvait reprendre comme avant. Comme si le feu était englouti sous la cendre. Cependant, des réunions étranges ont lieu. De bord et d'autres boivent beaucoup. Leurs fréquentations n'ont rien de recommandable. C'est là, dans les rencontres, les amours et les discussions, que le négatif, dit-il, tient sa cour. Paris, alors, dans les limites de ses 20 arrondissements, ne dormait jamais tout entier. Et permettait à la débauche de changer 3 fois de quartier dans chaque nuit. C'est une grande chance que d'avoir été jeune dans cette ville quand, pour la dernière fois, elle a brillé d'un feu si intense. De nouveaux systèmes nerveux, oui, bien décidés à ne pas subir l'amnésie en cours. Pour nier la société, il faut, bien entendu, commencer par attaquer son langage. Je ne vis pas comme vous, je ne parle donc pas comme vous. Vos phrases sont pourries, c'est démontrable. Quelques individus décidés lancent une contre-attaque. On désarticulera le décor ambiant. Cinéma sans images, cris, écran noir, public furieux, scandale.
qui est devenu un jet 5, qu'est-ce que ça fait? La société s'organise de plus en plus comme un mauvais rêve. Ses habitants ressemblent à des somnambules. Ils vont, ils viennent, travaillent, croient s'amuser, ne savent même plus qu'ils doivent mourir. Ils sont prêts à tout accepter de ce qu'on leur raconte pour mieux leur cacher la réalité. Cependant, le mouvement subversif s'organise. Des réunions secrètes se tiennent un peu partout en Europe, où Debord est présent, bien sûr, avec sa première femme, Michel Bernstein. L'international situationniste est fondé. Il y a un pacte physique de la révolte. On joue et on ne joue pas. L'humour noir est de rigueur. Debord est le centre de cette agitation vitale avec l'un de ses plus fidèles amis, le peintre Jean. L'esprit de division permanente de l'international fera sa force. On se groupe, on conjugue des énergies, on s'exclut. On ne se revoit jamais. D'autres sont capables d'orienter et de mesurer le cours de leur passé selon leur élévation dans une carrière, l'acquisition de diverses sortes de biens, ou parfois l'accumulation d'ouvrages scientifiques ou esthétiques qui répondaient à une demande sociale. Ayant ignoré toute détermination de cette sorte, je ne revois dans le passage de ce temps désordonné que les éléments qui l'ont effectivement constitué pour moi, ou bien les mots et les figures qui leur ressemblent. Ce sont des jours et des nuits, des villes et des vivants, et au fond de tout cela, une incessante guerre. L'international situationniste, c'est aussi une revue dont l'effet va bien au-delà de son existence imprimée. Cette revue est vite célèbre, plus ou moins clandestinement. C'est là que Debord développe sa pensée, son écriture et son style de vie. Situation construite, moment de la vie, concrètement et délibérément construit par l'organisation collective d'une ambiance unitaire et d'un jeu d'événements. Dérive, mode de comportement expérimental lié aux conditions de la société urbaine, technique du passage hâtif à travers des ambiances variées, se dit aussi plus particulièrement pour désigner la durée d'un exercice continu de cette expérience.
était le labyrinthe le mieux fait pour retenir les voyageurs. Ceux qui s'y arrêtèrent 2 jours ne repartirent plus, du moins pas tant qu'il exista. Mais la plupart y ont vu venir d'abord la fin de leurs années peu nombreuses. Personne ne quittait ces quelques rues et ces quelques tables où le point culminant du temps avait été découvert. Comment ne me serais-je pas souvenu des charmants voyous et des filles orgueilleuses avec qui j'ai habité ces bas-fonds, lorsque plus tard, j'ai entendu une chanson que chantent les prisonniers en Italie. Tout le temps avait passé comme nos nuits d'alors, sans renoncer à rien. Dans la rue Filangieri, il y a une cloche. À chaque fois qu'elle sonne, c'est une condamnation. La plus belle jeunesse meurt en prison. Plus la vérité défendue par Debord s'approfondit, plus les résistances augmentent. Personne n'est plus ennemi qu'un ancien ami. Il souhaite votre mort, c'est logique. Tant pis pour lui. Les avant-gardes n'ont qu'un temps. Et ce qui peut leur arriver de plus heureux, c'est au plein sens du terme d'avoir fait leur temps. Après elles, s'engagent des opérations sur un plus vaste théâtre. On n'en a que trop vu de ces troupes d'élite qui, après avoir accompli quelques vaillants exploits, sont encore là pour défiler avec leurs décorations et puis se retournent contre la cause qu'elles avaient défendue. Il n'y a rien à craindre de semblable de celle dont l'attaque a été menée jusqu'au terme de la dissolution. Le livre fondamental de Debord, La société du spectacle, paraît en 1967. L'auteur, qui a alors 36 ans, dira de lui modestement en 1992 « Les troubles de 68 l'ont fait connaître. » On ne saurait mieux définir un vrai livre dans l'océan inutile des publications. Les modes apparentes qui s'annulent et se recomposent à la surface futile du temps pseudo-cyclique contemplé, le grand style de l'époque est toujours dans ce qui est orienté par la nécessité évidente et secrète de la révolution. Le grand style, souligné, de l'époque est toujours dans ce qui est orienté par la nécessité évidente et secrète de la révolution.
sont noirs sont à la vue, lance-pierre contre lacrymogène. Les flics tombent morts au coin des rues, nos petites filles deviennent des reines. Il est 5 heures, Paris. Quand le prolétariat découvre que sa propre force extériorisée concourt au renforcement permanent de la société capitaliste, non plus seulement sous la forme de son travail, mais aussi sous la forme des syndicats, des partis ou de la puissance étatique qu'il avait constituée pour s'émanciper, il découvre aussi par l'expérience historique concrète qu'il est la classe totalement ennemie de toute extériorisation figée et de toute spécialisation du pouvoir. Il porte la révolution qui ne peut rien laisser à l'extérieur d'elle-même, l'exigence de la domination permanente du présent sur le passé et la critique totale de la séparation. Et c'est cela dont il doit trouver la forme adéquate dans l'action. Aucune amélioration quantitative de sa misère, aucune illusion d'intégration hiérarchique ne sont un remède durable à son insatisfaction. Jamais sur l'estrade, toujours anonyme, ce personnage-là, au cœur de l'émeute, c'est bien Guy Debord, traceur de ligne, en première ligne. Société du spectacle et ce livre français traduit dans toutes les langues comme la révolution elle-même. Attaquée par surprise, la société du spectacle saura réagir. Elle mettra un certain temps à conjurer un spectre qui lui a fait si peur. Mais enfin, elle y parviendra. Et, comme la logique le voulait, elle ira se célébrer elle-même au Panthéon, là où Lautréamont voyait le temple des grandes têtes molles. L'ordre est rétabli dans l'euphorie. On a vu assez vite pour quelle comédie. Séparé de son produit, de plus en plus puissamment produit lui-même tous les détails de son monde et ainsi se trouve de plus en plus séparé de son monde. D'autant plus sa vie est maintenant son produit, d'autant plus il est séparé de sa vie. Le spectacle est le capital à un tel degré d'accumulation qu'il devient image. Debord est un stratège. Il sait mener la retraite qu'il faut. Sa vie va devenir errante, en Espagne et en Italie. Mais son point fixe est cette maison forteresse où il sera de plus en plus seul avec Alice. Seul ? Non. La pensée essentielle de la liberté n'est jamais seule.
avoir dit et prédit ce qui ouvertement et cyniquement a lieu, continuer à le dire et à le prédire, voilà la maîtrise du temps, sombre et joyeux, comme une fête maintenue loin du mensonge. La bibliothèque est ici vaste et précise. Pour savoir écrire, il faut savoir lire, et pour savoir lire, il faut savoir vivre. Une notoriété antispectaculaire est devenue quelque chose d'extrêmement rare. Je suis moi-même l'un des derniers vivants à en posséder une, à n'en avoir jamais eu d'autre. Mais c'est aussi devenu extraordinairement suspect. La société s'est officiellement proclamée spectaculaire. Être connu en dehors des relations spectaculaires, cela équivaut déjà à être connu comme ennemi de la société. La société planétaire ressemble de plus en plus aux analyses et aux prédictions de Debord. La voici dans son enfer virtuel brûlant, son bordel abject, sa guerre mortelle et parfois comique. I'm now going to show you a picture of the luckiest man in Iraq on this particular day. Keep your eye on the crosshairs. And now in his rearview mirror. Jamais l'opinion de ceux à qui l'on fait croire encore, dans quelques pays, qu'ils sont restés des citoyens libres, n'a été moins autorisée à se faire connaître chaque fois qu'il s'agit d'un choix qui affectera leur vie réelle. Jamais il n'a été permis de leur mentir avec une si parfaite absence de conséquences. Le spectateur est seulement censé ignorer tout, ne mériter rien. Qui regarde toujours pour savoir la suite, n'agira jamais. Et tel doit bien être le spectateur. Il n'existe plus rien dans la culture et dans la nature qui n'ait été transformé et pollué selon les moyens et les intérêts de l'industrie moderne. La génétique même est devenue pleinement accessible aux forces dominantes de la société. Comme la vue de bord, tout est devenu calcul. L'être humain n'est que numérique.
on le fabriquera génétiquement. Dans quel but? Le numérique et le génétique. L'histoire est en boucle. Interdiction de penser plus loin. Faire entendre sa voix peut passer aussi par le cinéma retourné. L'ami éditeur de Debord, Gérard Lebovici, expert en coulisses spectaculaires, est un moment clé de ces années sombres. Les deux hommes sont très liés. C'est Lebovici qui permet à Debord de réaliser et de projeter certains de ses films. Debord ne s'y montre pas, mais on peut l'entendre. J'ai mérité la haine universelle de la société de mon temps et j'aurais été fâché d'avoir d'autres mérites aux yeux d'une telle société. Mais j'ai observé que c'est encore dans le cinéma que j'ai soulevé l'indignation la plus parfaite et la plus unanime. On a même poussé le dégoût jusqu'à m'y piller beaucoup moins souvent qu'ailleurs, jusqu'ici en tout cas. Mon existence même y reste une hypothèse généralement réfutée. Je me vois donc placé au-dessus de toutes les lois du genre. Aussi, comme le disait Swift, ce n'est pas une mince satisfaction pour moi que de présenter un ouvrage absolument au-dessus de toute critique. Debord est facile à lire, mais difficile à comprendre. Forcément, puisqu'il dit la vérité. Il boit beaucoup, écrit peu, mais ce peu est chaque fois fulgurant. Debord sent venir sa gloire. Il ne l'aime pas. Il tient à sa mauvaise réputation, mais sa mauvaise réputation même sera glorieuse. Il faudra la quitter, mais non sans avoir tenté une fois de s'en emparer à force ouverte. Il faudra enfin la quitter, après tant d'autres choses, pour suivre la voie que déterminent les nécessités de notre étrange guerre qui nous a menés si loin. Car notre intention n'avait été rien d'autre que de faire apparaître dans la pratique une ligne de partage entre ceux qui veulent encore de ce qui existe et ceux qui n'en voudront plus. L'extrême beauté de l'écriture de Debord est une des plus justes de notre temps. Le bavardage idéologique, le gémissement poétique en sont rigoureusement absents. Une merveilleuse lumière baigne sa prose. La vie est une guerre où le style est tout. Et, comme le dit Dante, il est beau de former un parti à soi seul. J'ai même séjourné dans une inaccessible maison entourée par des bois, loin des villages, dans une région extrêmement stérile de montagnes usées, au fond d'une Auvergne désertée. J'y ai passé plusieurs hivers. La neige tombait pendant des jours entiers, le vent l'entassait en congère, des barrières en protégeaient la route. Malgré les murs extérieurs, la neige s'accumulait dans la cour, plusieurs bûches brûlaient ensemble dans la cheminée. La maison paraissait s'ouvrir directement sur la Voie lactée. La nuit, les proches étoiles, qui à un moment étaient intensément brillantes, le moment d'après pouvaient être éteintes par le passage d'une brume légère. Ainsi, nos conversations et nos fêtes,
et nos rencontres et nos passions tenaces. Il y avait aussi, dans les matins calmes, tous les oiseaux de l'aube et la fraîcheur parfaite de l'air, et cette nuance éclatante de vert tendre qui venait sur les arbres à la lumière frisante du soleil levant face à eux. Le mystérieux batteleur de bord s'observe avec le temps à travers les autoportraits de Rembrandt. Il n'a pas peur de l'usure de l'âge. Il en a l'usage. La publication de son œuvre avec son accord sous la couverture blanche de Gallimard fait de lui un révolutionnaire classique. De quoi énerver beaucoup les maniaques de la séparation. Dehors, le mensonge spectaculaire s'étend toujours, comme un cancer ou une galaxie inlassable. L'ami Gérard Lebovici est tué dans un parking, dans des circonstances restées mystérieuses. La solitude de nuit est plus dure que jamais. J'ai vu autour de moi, en grande quantité, des individus qui mouraient jeunes, et pas toujours par le suicide, d'ailleurs fréquent. Sur cet article de la mort violente, je remarque, sans pouvoir avancer une explication pleinement rationnelle du phénomène, que le nombre de mes amis qui ont été tués par balles constitue un pourcentage grandement inusité, en dehors des opérations militaires, bien sûr. À Champeau, dans sa maison fermée, Debord reçoit quelques visites. Il ne répond jamais lui-même au téléphone. Pas de journaliste, bien sûr. Il souffre de plus en plus d'une polynévrite alcoolique. Et puis, quand la douleur est trop forte et qu'on a dit ce qu'il y avait à dire, peut-être aurions-nous pu être un peu moins dépourvus de pitié si nous avions trouvé quelque entreprise déjà formée qui nous eût paru mériter l'emploi de nos forces. Mais il n'y avait rien de tel. La seule cause que nous ayons soutenue, nous avons dû la définir et la mener nous-mêmes. Et il n'existait rien au-dessus de nous que nous ayons pu considérer comme estimable. Avions-nous à la fin rencontré l'objet de notre quête, il faut croire que nous l'avions au moins fugitivement aperçu. Parce qu'il est en tout cas flagrant qu'à partir de là, nous nous sommes trouvés en état de comprendre la vie fausse à la lumière de la vraie.
et possesseur d'un bien étrange pouvoir de séduction, car personne ne nous a depuis lors approchés sans vouloir nous suivre. Et donc nous avions remis la main sur le secret de diviser ce qui était uni. Une des très rares photos en couleur de Guy Debord est prise sur un ponton en face de San Giorgio à Venise. Il se penche, comme pour éviter le coup de feu de l'appareil. Il est là et pas là. Jamais là où on voudrait qu'il soit. La Seine a emporté ses cendres. À quoi bon, des poètes en temps de détresse, demandait Hölderlin. Aucun dieu n'est là pour répondre, mais aucun maître n'a le pouvoir d'étouffer la question. Nous étions venus comme de l'eau, nous sommes partis comme le vent.